Chers électeurs, électrices, chères concitoyennes, concitoyens, françaises, français, péténistes, péténistes, nous sommes le 10 avril 2022, il est 18h30. Et vous avez bien fait de venir nombreux. Car à 20h, on se sentira moins seul. Nous avons voté. C'est trop tard. Nous sommes 48 millions d'électeurs selon les registres, 24 selon la police. Dont cette année 30% d'indécis, soit à peu près 14 millions. Nous allons vivre un moment clé de notre histoire, pourtant on cherche encore la serrure. Le suspense est torride, pourtant la seule grande question qu'on peut encore se poser, et la suivante, quand est-ce que cette élection va-t-elle démarrer? En effet, pour la première fois, l'élection n'est pas le sujet de discussion numéro un dans les bars. Le désintérêt pour beaucoup semble total. C'est pas qu'ils ne croient plus aux promesses, ils ne les écoutent même plus. À tel point que beaucoup hésitent encore à 18h30 entre Kinder et Buitoni. Nous assistons à une élection que l'on peut qualifier de téfale, puisque rien n'accroche. Alors dans quel contexte va avoir lieu cette élection ? À 8h moins 10, hein, donc, nous allumerons la télé. Mais avant ça, le contexte. Un contexte que l'on peut qualifier de proprement merdique. Après 2 ans de pandémie, qui n'est toujours pas fini, mais la grande différence, c'est que maintenant, tout le monde s'en fout. On ne connaît même plus le numéro de la vague. Le même nombre de morts qui, rappelez-vous, nous tétanisait au début, nous laisse aussi froid qu'un discours de Valérie Pécresse. Alors, à cette différence près que, avant, c'était le virus qui tuait nos vieux, on a appris entre-temps que c'était directement les EHPAD. Deux ans qui nous ont marqués, 2 années d'angoisse, de doute, d'alarmisme, de culpabilisation, d'infantilisation, d'état d'urgence, où la démocratie était en quarantaine. Pendant plus de 2 ans, le peuple n'a eu le choix qu'entre psychose et névrose. Nous avons vécu au rythme des variants venus de tous les pays, Brésil, Afrique du Sud, Japon, Angleterre, Inde, sauf nous ! Une fois de plus, obligé d'importer. Et on s'étonne ensuite de ne pas avoir d'indépendance énergétique. 2 années où nous fûmes abreuvés en boucle sur le même sujet, pris dans une essoreuse idée qui... qui nous a fait tourner la tête dans l'irrationnel au centre d'un univers anxiogène qui se nourrissait de lui-même. En résumé, 2 ans où la froide raison a totalement exclu les puissances de l'esprit, sauf McKinsey.
Pour situer l'état d'esprit dans lequel nous sommes, je vais reprendre une enquête d'opinion qui m'avait marqué en pleine pandémie, qui résume bien vraiment l'état actuel de notre cerveau. On l'avait à l'époque dans cette enquête d'opinion, qui dirige l'opinion. Deux questions, avec le même panel. Première question, les Français qui acceptent un nouveau confinement sont 64%. Okay. Même question, même panel. Autre question, pardon. Les Français qui ne supportent plus les mesures sanitaires, 71%. Un peuple à qui on a demandé d'arrêter de penser aussi longtemps est-il encore en capacité de réfléchir? 2 ans où nous avons vécu au rythme des experts, que nous avons écoutés pendant des heures pour qu'à la fin ils nous disent qu'ils ne savaient rien, d'un conseil scientifique qui a souvent été critiqué. Oh! Pourquoi? Pour mieux comprendre le difficile travail de l'expert en expertise face au peuple ignorant, nous, j'ai choisi 3 phrases concernant la pandémie dans la presse de ces derniers mois pour plus de clarté. Première phrase. Quand ça baisse, on sait que ça va remonter. Deuxième phrase. Si on voit plus de vaccinés arriver à l'hôpital, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés. Et la troisième, les enfants sont le moteur de la pandémie, nous devons arrêter ce moteur. 2 ans de quoi qu'il en coûte, donc pour un total de 365 milliards. TTC. Hors cabinet conseil. C'est-à-dire 118% de notre PIB. C'est 3% donc du déficit, vous rappelez, qu'il ne fallait pas dépasser sous peine d'excommunication européenne, de damnation sur les marchés internationaux. C'est 3% qui avait été le là de l'élection présidentielle d'avant. Là, il n'existe plus. Voilà. À peine sortis de la crise sanitaire, pensions-nous, ignares que nous sommes, paf ! Nous avons le rapport du GIEC. Alors le GIEC, donc, ce sont ceux qui font les études poussées sur l'état de notre planète. Bon, j'ai lu le rapport en entier. On est foutus. Voilà, c'est pour le contexte. Donc nous allons prendre, si on ne fait rien, plus 3 degrés d'ici 2100. Le niveau de la mer va monter de 20 à 40 cm. Le festival de Cannes aura lieu à Chamonix. Et à ce moment-là, contexte, on se dit, les écolos vont gagner. Nous sommes en septembre. Septembre qui devait marquer le top départ de cette campagne. Et là, qu'est-ce qui arrive? L'Afghanistan! La dame, première rang. Septembre, qu'est-ce qui arrive? L'Ukraine. Madame, j'espère que vous n'avez pas voté. Donc, arrive l'Afghanistan. Et nous avons à nouveau le même sujet en boucle qui phagocyte les médias. Les talibans sont de retour. Voilà. Le comeback du retour du taliban. Un mois avant, Joe Biden, le remplaçant de Trump, il me manque, lui. Mais oui, parce que dans une époque où nous sommes perdus en manque de repères, de valeurs, au moins, un mec comme ça, c'est clair. Tu sais où tu vas, c'est un phare dans la nuit, c'est marqué dessus, gros con. Alors que Joe Biden, c'est le même, mais en poli. Il y en avait un, c'était America First, l'autre, c'est America First, please. Alors,
Joe Biden qui, à ce moment-là, un mois avant le retour des talibans, prononce cette phrase magnifique « Il est hautement improbable que les talibans reprennent le pouvoir ». Attention, les talibans ont changé. Comme Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a mûri, elle est tombée de l'arbre. Elle caresse son chat. Alors pourquoi tout le monde a fui à l'époque devant les talibans? Souvenez-vous de ces images, l'aéroport de Kaboul, les Afghans qui se pendent à l'avion, évidemment pour ne pas payer. Et là, les experts en expertise ne savent pas pourquoi le monde entier, la force internationale, fuit devant les talibans. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Contexte toujours. Rappelez-vous, au moment de retour des talibans, l'Europe s'est à l'époque battue pour accueillir des réfugiés afghans, comme pour la Syrie avant. C'est ma meilleure blague de la soirée. Et à ce moment-là, après le retour des talibans, on se dit, ça y est, la campagne va démarrer. Non ! C'est la cinquième vague. Campagne de vaccination, passe sanitaire. Et au moment où le virus disparaissait du paysage médiatique, la campagne présidentielle allait enfin démarrer, paf ! C'est là, madame. L'Ukraine, qui à nouveau phagocyte tout dans les médias. L'idéal eût été d'avoir un nouveau variant russe. Macron, pas encore candidat. Oh, toi, Seigneur. Toi si fort, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien. Fais-nous dessus. Macron, pas encore candidat, qui n'avait rien vu venir en Ukraine, en Afghanistan non plus. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Ce coup-là, c'est les Américains qui avaient vu arriver les Ukrainiens. Macron, donc, qui nous avait déclaré au début de la pandémie, rappelez-vous, nous sommes en guerre. Quand la guerre éclate en Ukraine, nous déclare, nous ne sommes pas en guerre. Et là, d'un coup, on apprend que, suite à l'invasion de l'Ukraine, notre économie va morfler, notre croissance va souffrir, la troisième guerre mondiale se profile, il va falloir faire des économies d'énergie. Et là, on se dit, les écolos vont gagner. Et d'un coup, la campagne présidentielle qui n'avait pas démarré s'arrête. Et d'un coup, Macron, toi, Seigneur, génie des génies, lumière des lumières, fais-nous dessus. Macron prend 5% dans les sondages. Si Poutine avait envahi la Pologne, il passait au premier tour. Et d'un coup, Poutine, avec qui tous les présidents français du monde entier ont discuté et fait des affaires pendant 20 ans, devient un fou dangereux. Alors, le problème, ne soit pas qu'il soit fou, c'est vrai qu'il a un équilibre mental précaire. C'est qu'on a refusé de le voir. Ça couve depuis 10 ans, hein, il a testé la ligne rouge en Syrie, personne n'a réagi, il a fait... Il se prépare depuis 1 an, masse des troupes à la frontière ukrainienne, et notre président a fait... Nos services secrets, nous en avons. Alors là, n'ont rien vu venir en Ukraine. Je pense qu'ils devraient faire appel à des cabinets de conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine? Bon, ils sont plusieurs. Voilà. C'est pas qu'il ne... C'est un psy qui a dit ça, il faut toujours écouter les psys. C'est pas qu'il n'est plus dans la réalité, il s'en est inventé une. Comme le nôtre.
Il s'en est inventé une. Il rêve de rétablir les frontières de l'ex-URSS. Heureusement que le Premier ministre italien ne rêve pas de l'Empire romain. Mais devant cette guerre et qui grogne aux portes de l'Europe, heureusement, arrive, oh Seigneur, Macron, notre sauveur, qui n'est pas encore candidat à ce moment-là, mais président de l'Union européenne, et qui nous dit, je vais aller le voir, vous allez voir. Et c'est l'épisode de la rencontre avec Poutine sur la table de 10 mètres de long. Un homme sensé aurait refusé. Oui, ça doit être ta mère. Écoute, tu lui dis qu'on l'emmerde. Non mais vous vous rappelez de cette rencontre sur cette table de 10 mètres de long? Voilà, il faut être givré pour accepter. Imaginez De Gaulle arrivant, il voit une table de 10 mètres de long, comme ça il fait « j'y vais pas ». Même Chirac, tu vois, aurait fait « I don't sit ». Mais oui, mais lui il va, parce que lui il pense qu'il va tout sauver. Voilà, et puis il y allait tout seul. Mais monsieur est le sauveur du monde, il tient sa vraie guerre. Il a enfin un rôle à lui. Car ne l'oublions jamais, cet homme est un comédien frustré. Je vous explique l'histoire, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Il m'arrive souvent d'aller jouer à la Comédie de Picardie à Amiens, hein, où est né le petit Macron, hein, voilà, qui est en vente d'ailleurs dans toutes les... Oui, c'est nul, ça. Et donc, à la Comédie de Picardie à Amiens, le directeur est en place depuis très longtemps, voilà, et il connaissait déjà le petit Macron. Je vous explique. À l'époque, le petit Macron, qui avait 15 ans, 15-16 ans, allait suivre des cours de théâtre avec sa prof de français. Voilà. Et les cours étaient à la Comédie de Picardie. Et un jour, voilà, je raconte cette histoire, c'est filmé ce soir, mais de toute façon, je m'en fous. Et de toute façon, elle l'a dit à moi, pas comme moi, elle l'a dit. Et un jour, le directeur surprend donc la prof de français avec un élève de, bon, 15 ans. Il ouvre la porte une porte des loges comme ça, il voit, ils étaient en train de, bon, Et là, il se pose la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle les services sociaux, oui ou non? S'il les avait appelés, on n'en serait pas là. C'est pas fini! Le jeune Macron qui voulait vraiment, mais vraiment, imaginez quelqu'un, dans la salle, ça nous est tous arrivé, de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Voilà, il fait président par défaut. Et donc là, à ce moment-là, il y a un spectacle de fin d'année, le directeur est obligé de se le fader, comme ça, et le jeune Macron, évidemment, qui vient le voir en lui disant « Est-ce que vous m'avez trouvé bien, Moa, Moa ?» Bon. Et là, le directeur commet une deuxième erreur. Il lui dit la vérité. Il me l'a raconté après. Il me dit il était vraiment mais à chier sur scène. Il avait une grosse mémoire, mais à chier. Et il lui dit, écoutez, je pense que vous n'êtes pas fait pour ce métier. S'il lui avait dit qu'il avait du talent... Et donc, quand le comédien raté rencontre Poutine, qui, lui, ne joue pas de rôle. Voilà. Moi, je suis sûr que Poutine a attendu que Macron soit président de l'Union européenne pour dire, celui-là, je vais me le faire. Deux jours plus tard, c'est l'invasion. La campagne n'arrive toujours pas à démarrer. Mais malgré toutes les horreurs de la guerre en Ukraine, on va pas revenir ici ce soir, c'est absolument horrible, l'armée ukrainienne reste héroïque, tellement qu'on se demande si elle ne va pas finir par envahir la Russie. Et tombe à ce moment-là les sanctions contre la Russie. Et là, vous allez me dire, mais tu ne parles pas de la campagne présidentielle. Si, on est en plein dedans. C'est l'embargo. L'embargo,
allez, on n'achète plus rien, sauf du gaz, du pétrole et du charbon. Sinon, on est emmerdé, il faudrait qu'on pédale. L'Europe, on apprend, est dépendante à 45% du gaz russe, certains pays 100%. Alors quand on leur dit arrêtez le gaz, ils font... Les prix s'envolent, le prix du gaz double. Du coup, les Russes, grâce à l'embargo, gagnent deux fois plus d'argent. Est-ce que vous avez des questions? Et là-dessus, Poutine, qui connaît maintenant le Macron, veut qu'on paye en roubles. Il menace de bloquer le robinet. Poutine aurait dû commencer sa guerre au début de l'hiver. Mais il a attendu que Macron soit président de l'Union européenne. Souvent, dans le spectacle, les gens me disent « Mais où tu vas trouver tes conneries ?» Là, je pense que j'ai trouvé un truc. Et là, le litre d'essence s'envole à la pompe tellement qu'on a l'impression de payer en roubles. À ce moment-là, c'est le marasme. La campagne n'a toujours pas démarré. Résultat direct, sur la campagne présidentielle, le prix du gaz a tellement augmenté que quand on est de gauche, on ne peut même plus se suicider. Et alors, le thème... Oh, on en parlera après. Le thème arrive à ce moment-là, dans les médias, le thème du pouvoir d'achat qui s'invite dans la campagne, qui va bientôt démarrer. Qui en deviendra le thème central, plus exactement le thème du pouvoir d'achat revient sur le tapis. Puisque, souvenez-vous, il y avait eu un début de débat sur le pouvoir d'achat, il y a des mois. Mais le pouvoir d'achat qui est comme la météo, il y a la réalité et le ressenti. Alors le pouvoir d'achat, il y a quelques mois, débat, a-t-il augmenté? Alors, d'après les spécialistes en spécialisation et les experts en expertise, assez proches du gouvernement, oui. Et là, les experts, vraiment, dans tous les médias, nous disent, oui, le pouvoir d'achat a augmenté de 4%. Le chiffre est précis. Alors, d'après nous, oh bon. Ouais. Et là, les experts nous font « si, il a augmenté ». Alors là, on prend nos calculettes, nous, on fait « bah non, nous, moi, je pense qu'il n'a pas ». Et là, les mecs, on dit « si !» Puisqu'on vous le dit. Nous, on avait plutôt une impression à la baisse même. Mais nous, on est cons! L'expert a toujours raison. Et là, maintenant, les prix flambent tellement, flambent plus que Notre-Dame. Là, c'est pas compliqué, tout a augmenté. Même les experts sont d'accord avec nous. Parce qu'ils vont faire leurs courses aussi. Moralité, comme dirait Macron, quand tout augmente, on ne le dira jamais assez, les SDF sont des privilégiés. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Résultat, Zemmour, qui avait tout misé sur l'arabe, et Marine Le Pen, qui maintenant caresse son chat au coin du feu en lisant Marguerite Duras, avait tout misé sur le pouvoir d'achat. Si elle avait choisi à ce moment-là le pouvoir d'achat des Arabes, elle serait à 35%. Et là, du coup, on assiste, débat sur le pouvoir d'achat, un prémisse de débat dans une campagne qui n'a pas démarré. A lieu, souvenez-vous, le feuilleton des « Faut-il augmenter les salaires ?» Et là, événement, tous les candidats sont pour. Ah oui, et alors là, on a droit à une surenchère. Alors, le candidat, il faut augmenter le SMIC, mais pas cher, 1 300 €. 1 350. 1 350, comme il l'a dit, lui, 1 400 chez nous. 1 450, 1 500. Et à ce moment-là, souvenez-vous, le débat s'arrête, parce que les mecs savent plus s'ils parlent en brut ou en net. Qu'on dirait l'ancien monde. Ah là, mais on parle en brut. 1 600. C'est donc dans une ambiance de merde que se déroule cette élection présidentielle qui ne va pas tarder
a commencé. Le peuple des électeurs a perdu ses repères, les vieux partis ont explosé sous l'impulsion de monsieur en même temps. Not toi, Seigneur. Et on peut lire maintenant, écrit en lettres de sang sur les murs des sièges du PS et des Républicains, Manu nous a tués. Et alors, évidemment, dès qu'on parle de politique, il n'y a plus un peuple fort et uni, mais plusieurs. Ah, il y a celui d'extrême droite, ah, de droite, du centre, et c'est tout. C'est ce que nous montrent les sondages. Sondages qui sont à l'opinion ce que la canne est à l'aveugle. Sondage omniprésent pendant toute la campagne. Le sondage est-il le reflet de l'opinion ou l'inverse? Est-ce que le sondage fait l'opinion ou l'opinion fait le sondage? Est-ce que les sondages se trompent autant que l'opinion? Mais le sondage est excitant, c'est comme ça. Il nous amuse. On entend plus souvent « t'as vu le dernier sondage » que « t'as lu le dernier programme ». C'est nous. La grande question maintenant qui se pose, c'est alors l'abstention. Alors, combien? À 18h30, hein, on va écouter, 18h30, l'abstention était de 26,5%. C'est pas mal. Un Français sur 10 n'est pas inscrit sur les listes électorales. Alors, notre démocratie n'est pas en très bonne santé. Bon, on peut le dire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la démocratie est un peu malade, comme en ce moment, on multiplie les débats. C'est l'effet compensatoire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, moins les gens vont voter, plus il y a de débats sur l'abstention. L'effet compensatoire. Par exemple, la dernière élection qui a eu lieu en France, qui était en... Vous inquiétez pas, personne n'y est allé. En juin 21, l'abstention, alors les régionales, l'abstention était 66%. Un record. On est au taquet, mais on peut faire mieux. Continuons le combat. Et derrière, on a eu pléthore de débats sur l'abstention, des centaines de débats sur toutes les chaînes partout. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Ce manque de civisme, de citoyenneté, ce désaveu de la classe politique, pourquoi, comment, ou pourquoi? Alors qu'on avait oublié l'essentiel, comme d'habitude. Nous sommes en juin 21. Ça fait plus d'un an que nous vivons en état d'urgence sous crise sanitaire. Ça fait plus d'un an qu'on nous dit « Restez là !»« Sortez !»« Jusque-là, revenez !»« Mettez un masque et finalement, mettez-en pas !»« Vous pouvez sortir plus loin, finalement, revenez !»« Allez vous faire tester, pas par là, par là !» Vous pouvez sortir jusqu'à 17h, et puis non, 18h, 23h, 21h, tout compte fait, revenez. Et là, d'un coup, sans prévenir, on nous dit, vous pouvez choisir. Les gens ont cru que c'était une blague. On en paye encore les conséquences. Campagne, à ce moment-là, qui croyait-on, avait démarré à la rentrée, souvenez-vous, avec l'arrivée du variant Zemmour. Voilà. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui vont voter Zemmour dans la salle? Est-ce qu'on peut allumer un peu la salle? Voilà, est-ce qu'il y en a qui vont voter Zemmour? Bon, bah, attends. Bon, qui devrait faire un mauvais score. Alors, Zemmour, on en a bouffé pendant des semaines. Des semaines, et souvenez-vous, Zemmour a dit ça, Zemmour a fait ça, il a pété. Non! Le chouchou des médias, des tribunaux, le nouvel épouvantail à con, il a remplacé celui avec une perruque blonde. Je vous rappelle le principe de l'épouvantail à con. Ce qui se passe d'intéressant est là. Mais on ne veut pas qu'on regarde là. Donc, il y a un épouvantail, ici, comme ça. Et nous, et voilà. Zemmour, alors qu'il n'était pas encore candidat, voilà, qui apparaissait déjà dans tous les sondages. Ça,
Et la question qui se posait à l'époque était la suivante. Zemmour est-il en capacité de passer le deuxième tour sans se présenter? Il y a à ce moment-là le phénomène Zemmour. Zemmour qui devient un aimant. C'est-à-dire qu'il parle en toute liberté, sans filtre. Il y va, paf. Et nous, on a perdu l'habitude. Puisque la liberté d'expression se rétrécit d'année en année. Et tout d'un coup arrive un mec qui, il dit ce qu'il pense. Et tout le monde fait, c'est pas possible. Et l'époque étant à la confusion, d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, la confusion qui est devenue la deuxième idéologie dominante juste après l'hypocrisie. Alors, une anecdote qui m'est réellement arrivée, c'était il y a quelques mois, je vais jouer mon nouveau spectacle, Vieux Con, hein, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, et je vais jouer mon spectacle à Nantes, hein, Nantes qui doit toute sa prospérité à l'esclavage. J'ai dit une connerie, là. Il y a des Nantais dans la salle? Vous voyez, il y en a plus, ils ont honte. Alors, et l'époque est à la confusion. Et à la sortie du spectacle, dans la porte des loges, derrière le théâtre, m'attendait depuis longtemps un homme. Voilà, qui, je sors, il vient me voir, très poli, correct, comme ça, qui me dit, monsieur l'évêque, excusez-moi de vous déranger, mais voilà, j'étais à votre spectacle, il faudrait que je vous parle. Je dis, bah, écoutez, allez-y. Il me dit, voilà, si Zemmour se présente à la présidentielle, je vais voter pour lui. Première réaction totalement égoïste, ça je fais, merde, il était dans la salle. Ce qui est complètement ridicule, viens au spectacle qui veut, au contraire, on ne demande pas de passe pour l'instant. Bon. Et là, je lui dis, mais pourquoi? Et là, il me dit, parce qu'il parle! Je fais, oui, d'accord, enfin bon, trois citations bien senties, thèse, antithèse, synthèse, on remue tout, il raconte quand même plein de contre-vérités. Je veux dire, il raconte plein de conneries. Et là, au mot connerie, je vois son regard s'éclairer, ses yeux s'illuminer, et sortant de son ventre, de ses tripes, il me dit, mais c'est ça qui est bon! Et là, voyant que j'allais m'évanouir, il rajoute « Il est comme vous !» Et vous avez remarqué, en plus de ça, le Rassemblement National, Zemmour, Dupont-Aignan, toute l'extrême droite mettent en avant les libertés. C'est d'ailleurs le thème principal, un des thèmes principaux du Rassemblement National, c'est liberté, liberté chérie. Ce sont les défenseurs de la liberté. Et là, je vais vous raconter une autre anecdote qui m'est arrivée, l'époque est à la confusion. Nous sommes au Festival d'Avignon en juillet 21, et le 21 juillet, c'est le jour du pass sanitaire. Bon, et ont lieu les premières manifestations anti-pass sanitaire. Bon. Nous étions, il y en avait une à Avignon, qui est passée d'ailleurs juste devant, parce que nous on était, si vous voulez, à une terrasse de café, à une séance de travail. Oh s'il vous plaît. Et on avait oublié la manif anti-pass sanitaire. Nous, amoureux de la liberté que nous sommes, vraiment. Et là, la manif passe devant nous, on fait... Ah merde, on l'a oublié. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va? On finit quand même notre séance de travail. Et au moment où on y va, je vous assure que c'est vrai, à Avignon, il y a plein de petites rues. Et arrive d'une petite ruelle comme ça, ça faisait comme ça la manif, elle passait, et arrive tout d'un coup une bande de mecs super costauds, crâne rasé, tatoué, drapeau français, qui crie « Liberté! Liberté! Liberté !» Du coup, on a attaqué une deuxième séance de travail. Et puis à ce moment-là, on se dit, mais bon, on va pas se laisser avoir par ça. Allez, on aime la liberté, allons-y. Bon, au moment où on y va, je vous assure que c'est vrai, débouche de la petite ruelle des jeunes beaucoup plus maigres, propres sur eux, avec un drapeau à fleurs de lys. Comme ils étaient plus maigres, je suis allé leur parler. Et je leur demande, mais c'est... Il me fait, oui, nous sommes royalistes.
Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous vous foutez là? Nous défendons la liberté. On a travaillé très tard. Attention, on est en train de se faire bouffer notre liberté. Du coup, Marine Le Pen, qui maintenant caresse son chat, se retrouve à la gauche de Zemmour. Elle devient humaine. Grâce à lui, elle devient une militante féministe de gauche. Marine Le Pen, qui même a demandé en pleine campagne à Zemmour, je cite, de faire le ménage chez lui parce qu'il y aurait des nazis. Si on nous avait dit ça il y a un an... La vache, quelle époque. Marine Le Pen, qui a changé, elle est apaisée. Marine Le Pen qui recherche le consensus en caressant ses chats. Quand elle était petite, c'était Heidi. Et puis à cause de sa famille, elle a basculé dans le côté obscur. Elle qui voulait être une défenseuse des droits de l'homme est devenue PDG de l'entreprise familiale à l'insu de son plein gré. Elle veut, je cite, que ses enfants vivent dans la sérénité et dans la paix. C'est Miss Yoga! Marine Le Pen qui, depuis... J'aime bien cette musique. Hein? Marine Le Pen qui, depuis qu'elle a compris que ce que disait son père est pour l'euthanasie. Mais le père, le vieux, qui reste quand même plus honnête que sa fille, parce que pour lui, le Rassemblement National est toujours un parti d'extrême droite. Pour sa fille, non, ce qui prouve que c'est une vraie blonde. Alors le peuple est-il dupe de tout ça? D'après les sondages, oui. Le peuple aime bien les gens qui caressent leurs chats. Et du coup, pendant 10 semaines, le thème central, à cause de Zemmour, le thème central de l'élection devient la sécurité, la sécurité et la sécurité. Et quelquefois, la sécurité. Les immigrés, les médias font un fond là-dessus, flux ininterrompu, immigration, islamisation, grand remplacement. Puis, sans prévenir, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout d'un coup, on parle que de ça et tout d'un coup, les droits de succession. Ah ben on n'a pas compris là. Alors pourquoi? Parce que je pense que, d'abord, les journalistes devaient s'emmerder. Et comme tout le monde le sait, la qualité première des journalistes, c'est pas l'imagination. Alors, et le journaliste est victime de suivisme. Voilà. Alors donc là, c'était la sécurité, islamisation, grand remplacement. Et tout d'un coup, il y a un journaliste qui doit se dire, oh merde, y'en a marre. Alors voilà comment ça se passe. C'est un journaliste qui me l'a expliqué. Hein. Alors, en général, ça démarre avec ceux qui, dans les radios, le matin, 6h, les premières émissions. Et le mec a dû lancer le thème des droits de succession. Je pense que sa mère venait de mourir. Tu vois, il y avait des embrouilles parce qu'il y avait remariage. Il s'est dit, oh merde, tiens, je vais lancer le thème. Tu vois, hop. Première radio, lance le thème, 6h du matin. Oui, alors, que pensent les candidats du droit de succession? La deuxième radio fait. Putain, ils parlent des droits de succession dans la radio, là. Faut qu'on en parle. La troisième radio. Viens, il y a deux radios qui en parlent. Faut qu'on en parle. Et après, les télés prennent leur lait. Toutes les radios en parlent. Faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez des questions? Le peuple est perdu dans tout ça, désorienté. On fait une élection pour lui et il semble s'en foutre. Bon, il faut dire qu'on lui a dit que tout était joué. Le suspense vient dans le fait de savoir qui va finir deuxième. Alors, le favori de l'élection, l'élu... Oh, toi, Seigneur! Oh, génie, génie, fais-nous dessus. Macron, souvenez-vous, donc, il y a 5 ans, non pas 50 ans, ça c'est le ressenti. Il y a 5 ans, comme pour Jésus-Christ, ça arrive tous les 2000 ans, les planètes s'alignent.
Le candidat de droite a oublié de payer ses costumes. C'est sa femme qui devait s'en occuper, mais elle ne savait pas qu'elle travaillait. Et voilà que ce jeune pur sang se retrouve à la tête de l'État, ado mal dégrossi. C'est pas moi qui le dis, ce sont les psys. Hein, quand on épouse sa mère, on arrête sa croissance. Nous avons donc un... Ah non, bah attendez, il y a peut-être des gens qui... Allumez la salle. Qui a voté Macron dans la salle? Allumez un peu la salle, là. Alors, qui a voté Macron, là? Ouais, non, mais n'ayez pas honte, hein. Voilà, repérez-les, quand même. Non, mais... pourquoi pas? Alors, visiblement, j'ai écouté au dernier moment, éteignez la salle. Là, ça sent la surprise. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors, mais revenons il y a 5 ans. Voilà que le jeune pur sang se retrouve à la tête de l'État. Voilà. Et nous avons donc un jeune poulain plein d'énergie, et en réalité, on comprendra très vite, un vieux déguisé en jeune. Eh oui. Macron, c'est De Gaulle sans guerre mondiale, et Brigitte, c'est Antivonne sans le dentier. Très vite, le peuple souverain va comprendre que par l'entremise du suffrage universel, il a élu un roi. Bon, la verticalité fait homme est aux manettes, le peuple aux oubliettes. Macron qui dénonçait, souvenez-vous, l'ancien monde politique, l'entre-soi politique, quand il a été élu, effectivement, il n'y avait plus d'entre-soi politique, c'était entre lui. Lui, comédien frustré, a pris sa revanche sur la vie grâce au peuple qu'il a tendance à mépriser. Et quand il méprise le peuple, le comédien qui joue le rôle de président, vous suivez là, s'excuse. Il est trop méprisant, trop arrogant, donneur de leçons, il brise trop souvent le peuple, il ne recommencera plus. Jusqu'à la prochaine fois. Est-ce qu'il va le payer ? On verra ! Si Sarkozy avait... Il me manque ! Oh, mais pareil, lui, c'était clair, tu vois. Il y avait une bonne bande, la Sarkozy, Balkany. Oh, mais oui, mais tu savais, tu vois, c'était là, il faisait ça, hop, tu étais au courant. Si Sarkozy, pendant ses 5 ans, avait fait ou dit le quart de ce qu'a fait Macron, mais c'était l'émeute. Nous avons changé. Donc cet homme, plein d'autosatisfaction, rempli d'une certaine mégalomanie, une haute idée de lui-même, certain égocentrisme, je me demande s'il ne passe pas son temps à se toucher. Moi, je pense que quand il répète ses discours, en même temps, il se regarde dans la glace. D'ailleurs, vous avez vu, son regard a tendance à... Tu vois, parce qu'en fait, il est... Bon, ça, je suis pas sûr. Alors Macron, qu'on a souvent taxé de président des riches. Oh ! Allons donc, allez dire ça à ceux qui ont voté pour lui. Non, les mauvaises langues, les perdants, les losers. Diront que Macron est aussi indépendant du système financier que ma couille gauche l'aide ma couille droite. Avec un truc qui pendouille au milieu, le cabinet conseil. Bon. Non, ce sont des cons. Il a fait des cadeaux aux riches. Mais revenons là-dessus. Non, c'est pour nous qu'il a fait tout ça. Mais vous, évidemment, vous ne comprenez pas parce que vous êtes bêtes. Pourquoi il a supprimé l'ISF? Pourquoi la flat tax, tout ça? Pour que les millionnaires viennent chez nous par millions. Voilà, et c'est ce qui est arrivé, vous avez vu? Et ils ont dépensé leur argent. Et cet argent, vous souvenez, a ruisselé sur nous. Hein? Vous vous souvenez pas les moments où on était là? Oh, arrêtez! Alors son bilan, bon, bah, alors, on n'a pas le temps de faire son bilan là. Hein. Moi je pense que son bilan tient en une phrase. Une extrême droite à plus de 30%. Ça, les gars, ceux qui ont voté pour lui là, je suis désolé, mais...
extrême droite qui n'a jamais oublié d'arroser régulièrement pour qu'elle pousse. Alors, moi, il y a une mesure symbolique dans le bilan de Macron, j'en ai parlé souvent dans les revues de presse, mais pour moi, c'est la taxe d'habitation. Pour moi, c'est le résumé du macronisme. Alors, est-ce que quelqu'un a compris le fonctionnement de la taxe d'habitation dans la salle ? Qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Alors, mesure phare au départ, hein. Vous avez vu, il a été élu, entre autres, pour ça. Suppression de la taxe d'habitation. Ok. Alors, résumé de tous les épisodes. Alors, nous avons d'abord la suppression promise, puis repoussée à la fin du quinquennat. Puis non ! Finalement, ce sera en 2018, mais baisse de 30% pour 80% des foyers. Et là, on dit, c'est fini. Non ! Rebondissement. Finalement, ils seront supprimés en 2018, mais sur 3 ans. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! Rebondissement. En fait, il y aura une baisse de 30% pour 80% des foyers, mais pas dans 20% des communes où elle va augmenter. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! On est qu'en décembre 2018. Elle sera finalement supprimée à 100% pour tous les Français. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! Elle sera maintenue pour 20% des plus riches. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! Finalement, aucun Français ne paiera d'ici 2022. Et puis non, finalement, 2023. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! Finalement, c'est oui et non. Ah ! Finalement, les 20% seront toujours assujettis, mais auront droit à un dégrèvement de 1/3 en 2021, 1/3 en 2022 et 100% en 2023. Et là, on se dit, c'est fini. Non ! Sauf qu'entre-temps, une révision de la taxe locative à la hausse a annulé la baisse de 30%. Merde ! Résultat final, hausse record de la taxe foncière. Est-ce que vous avez des questions ? Chacun sache évidemment que tous les propriétaires sont millionnaires. Alors, maintenant, cette présidentielle, les forces en présence. Les autres candidats, les figurants. On ne sait pas, hein. On va. Alors, bon, comme vous l'avez vu, il y a eu très peu de débats, mais bon, depuis 2 ans, on était habitués. Très peu, il n'y a pas de campagne, pourquoi il y aurait de débats ? Alors, ce qui est emmerdant, c'est que comme on a plein de candidats qui se présentent depuis longtemps, il n'y a pas de scandale. Ben oui, ils ont tous été épluchés avant. Voilà. Alors, enfin, il y a quand même un petit scandale qui pointe son nez, un scandale où naît. Bon, McKinsey, bon, alors c'est un cabinet conseil employé par le gouvernement pour le conseiller, bon. Je vous rappelle au passage la définition du cabinet conseil, c'est des gens qui t'enlèvent tes lunettes pour t'expliquer où il faut regarder. Alors, la justification de ces cabinets conseil, c'est qu'on fait appel à eux parce que l'État n'a pas les compétences et parce qu'on n'a pas assez de fonctionnaires qu'on a viré pour faire des économies. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, par exemple, sur la réforme des APL, hein, vous vous rappelez, ça c'était au début, il y a 5 ans, hein, voilà, prévu pour faire des économies, et qui nous a coûté en cabinet conseil 4 millions d'euros. Bon, vous vous rappelez, baisse de 5 euros par mois pour des APL, c'était au début, on était jeunes, il y a 5 ans. Ça, la première grosse connerie de Macron. Alors, et pour se justifier à l'époque, j'ai retrouvé, ça c'est très drôle, le porte-parole de l'époque, vous vous rappelez, Christophe Castaner. Ouais, tu dis, on en... Là, Castaner, tu vois, c'était la Ligue des Champions, tu vois. C'est parce qu'on en a eu, on en a connu des cons, tu vois. Mais lui, vraiment, mais il était... Tu te dis, tu vois... Des fois, tu te dis, il y en a, ils le font exprès, ou tu vois, lui, non, il est comme ça. Christophe Castaner, donc, qui à l'époque, porte-parole, pour justifier donc la baisse de 5 euros des APL, avait prononcé cette phrase magnifique, qui pour moi résume aussi le macronisme. Si on avait augmenté les APL de 5 euros,
Tout le monde aurait hurlé en disant que c'était ridiculement faible. Du coup, on a baissé. Alors, revenons alors McKinsey, bon, le scandale lounais. Bon, alors, ils sont pas tout seuls. Il y a plein de conseillers qui conseillent le gouvernement. Ça existe depuis des lustres, depuis qu'il existe l'arnaque, d'ailleurs. Est-ce que c'est un scandale? Oui et non, bon. Bon, le problème quand même, c'est que le coût global, par exemple, en 2021, ça vous a coûté 1 milliard. Bon, c'est un record. Ça a doublé entre 2018 et 2021. Bon, quand même, bon, bon. Mais c'est normal, la France est une start-up. Alors, le problème de base, et c'est pour ça que ça a éclaté, c'est que McKinsey a payé 0 euro d'impôt entre 2011 et 2020. Là, bon, tu fais quand même... Ah, c'est pas normal. Tu vois? Alors, parce qu'ils n'arrivent pas à faire de bénéfices. Oh! Oh, mais merde! Oh, c'est con, ça! Je pense qu'ils devraient faire appel à un cabinet conseil. Eh ben, hé! Ils l'ont fait! Et c'était un cabinet conseil en optimisation fiscale. On devrait faire appel à, pour l'État aussi. Alors, autre problème. Alors, le cabinet conseil, ça orienterait les décisions de l'État. Voilà. Alors, quand ils ont bossé, parce que dans le rapport du Sénat, on apprend que la plupart des cabinets conseil, quand ils viennent, en fait, ils pissent dans un violon, ils repartent. Bon, un Stradivarius. Hein. Voilà. Alors, et là-dessus, évidemment, le scandale allait éclater. Est-ce que c'en est un? J'en sais rien. Ouais, c'est... Mais Macron, hein, ouais, tout d'un coup, s'énerve. Vous avez vu? Méprisant, il redevient lui-même, l'ado. Vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire Benalla aussi? Elle fait « Oh !» Oh, ça rappelle de ça? Mais ça, c'était... Voilà, ça, c'est le nouveau monde, tu vois. Un arabe qui se déguise en flic pour taper sur des blancs le 1er mai. Eh ben... Vous vous rappelez, quand il y a eu l'affaire Benalla, qui était quand même, bon, après, on ne sait même pas, hein, il a été condamné à 500 euros de... Bien. Mais c'est pas rien. Et quand il y a l'affaire Benalla en plein dedans, comme ça, et ben, évidemment, il monte au créneau, mais c'est un ado. Tu vois, alors, vous vous rappelez, il vient comme ça, s'il cherche un responsable, en média, s'il cherche un responsable, qu'il vienne le chercher. Tu vois, genre, ouais, je veux te battre, je veux te battre. Heureusement que maman était là. Voilà. Et là, pareil, là, il s'énerve comme ça. Et il balance comme ça aux journalistes, comme ça. S'il y a des preuves de malversation, que ça aille au pénal. Ah oh enfin, tant que ça aille au pénal. Pff. Alors, est-ce que c'est un scandale, oui ou non? Bon. Alors, comme tous les élus, quelle que soit leur couleur. D'ailleurs, ils n'ont pas trop insisté, les autres candidats là-dessus. Hein. Voilà. Finalement, tout le monde dans les régions, les villes font appel à des cabinets de conseil, donc c'est un scandale pour tout le monde. Et quand c'est un scandale pour tout le monde, ça l'est pour personne. Voilà. Alors revenons aux forces en présence. Alors, nous avons ce sentiment, je ne sais pas vous, mais depuis le début, qu'on a une droite, enfin je parle de la droite modérée, qui ne fait rien pour gagner et une gauche qui fait tout pour perdre. Alors, au niveau. Alors, la gauche. Enfin, ce qu'on appelle la gauche, parce que Mélenchon, on n'aime pas le terme. Et ce que n'aime pas Mélenchon, tu vois, quand tu lui dis la gauche, il fait « Quoi ? Quoi ?» Voilà. Est-ce qu'il y a des mélenchonistes dans la salle ? Non, mais voilà. Oui, ok, ok. Ok. Vous voyez, déjà, par rapport à vous, les macronistes, c'est quand même... Hein, y a un... Voilà, alors c'est très bien, mais voilà, éteignez. Alors. Non, mais c'est vrai que, bon, alors on reparlera, j'en suis où? Alors, donc, c'est vrai que la gauche, le total des voix de gauche, bon, il, dans les sondages, est historiquement bas. Même rassemblé, bon, bah là, tu le fais, bah non. Là, non. Même avec l'apport. De Marine Le Pen qui maintenant est à gauche et qui passe son temps à caresser son chat. Alors le but de la majorité des candidats de gauche, sauf un, se limitant à faire un score meilleur que l'inflation.
Alors à gauche, les candidats donc, ont passé leur temps à s'insulter, à se déchirer, à s'invectiver, à se multiplier. Ce qui fait que tout en s'engueulant, ils couchaient entre eux quand même. Voilà, à se multiplier, mais ils ont quand même arrivé à trouver un slogan commun, quitte à perdre, soyons le plus nombreux possible. Alors, le problème, c'est que tous les candidats, en particulier à gauche, donnent l'impression de ne pas vraiment vouloir gouverner. À gauche, alors là, c'est criant. L'essentiel, c'est de participer. Pour la gauche, la présidentielle, c'est les JO. Mais personne ne leur a dit que c'était en 2024. Alors où est passé le peuple de gauche? Il quitte pas. Il est caché. Alors d'après les sondages, le peuple de gauche voulait le rassemblement. Alors, bon, du coup, il est resté caché. À gauche, c'est vrai qu'on a toujours été comme ça, pas croyant pour un sou, mais dans l'espoir d'un miracle. En effet le rassemblement à gauche, la mer rouge qui s'ouvre à côté, c'est un écart de la météo. Alors, rassemblement à gauche, il y en a qui ont essayé. Alors, il y a bien eu l'épisode, donc, vous vous souvenez, de la primaire populaire. Hein, 467 000 votants sur Internet, un panel, un beau panel. Bon, et une première dans l'histoire des démocraties. C'était la première fois qu'on organise des élections avec des candidats qui ne veulent pas y participer. Là, tu te dis, on va mal. Donc, l'organisation d'une primaire populaire à gauche en janvier, c'est-à-dire trop tard. Mais ça, c'est normal, à gauche, trop tard, c'est un pléonasme. Alors, j'étais tellement désespéré, je vous l'avoue, qu'en tant que loser dépressif, je les ai soutenus. Bon, c'est comme ça. Enfin, quand je dis personne ne voulait participer, si, il y en a une qui a accepté le verdict de la primaire populaire, Christiane Taubira. Donc, la favorite de la primaire. Bon, Taubira qui a gagné avec un bien plus. C'est vrai, après, moi, j'ai soutenu, j'ai fait quand même... Non, mais c'est une belle équipe. Résultat des courses, on a une candidate de plus, ça nous en fait 172 à ce moment-là. Christiane Taubira, que j'adore, mais vraiment, hein, qui est arrivée en tongs. Il y a des fois, tu te dis, oh, il y a des candidats qui sont pas prêts, elle, alors là, là... Là, c'était plus de l'amateuriste, elle était touriste. Voilà Taubira que j'adore, mais c'est vrai que dans une structure de pensée qui sont propres à eux, ces candidats, c'est pour ça qu'il faut supprimer cette élection présidentielle, c'est trop pour une seule personne. Christiane Taubira Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a 6 ans, c'est pour essayer de voir comment il fonctionne. Taubira que j'adore. Hein. Il y a 6 ans, j'avais réussi, mais ça c'est vrai, hein. C'est à réunir toute la gauche chez moi à la maison. Dans un dîner. Oui, oui, et là, bon, normalement, vous devriez applaudir, mais. Non, mais c'est vrai. Alors, toute la gauche était là, les communistes, les écologistes, les socialistes frondeurs, les socialistes. Il y avait, bon, au niveau. Bon, Mélenchon avait piscine. À l'époque, c'était pas les insoumis, c'était le Front de gauche. Hein. Mais le Front de gauche était prêt à en majorité à suivre. Et tout le monde a fait allégeance à Christiane Taubira. Je le sais, c'était à table, il y a des témoins. Tu vois, Christiane, si tu y vas, tout le monde te suit. C'est clair. L'union de la gauche, elle allait au deuxième tour. Elle réfléchit. J'y vais pas. Pour des raisons personnelles qui lui appartiennent. Et je vois que 5 ans plus tard, donc, elle revient avec les mêmes raisons personnelles qui... Donc, je lui en veux un peu, hein, à vrai dire. Hein, si vous la croisez dans la rue, vous lui dites, vous lui allez m'appeler. Et donc, c'est psychanalytique. Ça veut donc dire qu'il y a 5 ans, quasi sûre, elle allait au deuxième tour, elle n'y va pas. Là, elle était sûre de perdre.
elle y va. Je pense que là, je vous ai résumé la gauche. Voilà. Bon, finalement, syndrome Jeux Olympiques. Finalement, le parti des radicaux de gauche la laisse tomber, elle et ses tongs. Elle n'a pas ses signatures, elle abandonne en même temps que Montebourg arrête sa remontada, parce qu'il était trop haut, il n'y avait plus d'oxygène. Finalement, la primaire de gauche appelle à voter Mélenchon, arrivé troisième. Est-ce que vous avez des questions? Et là, donc, Mélenchon. Alors, Mélenchon, donc, il n'arrête pas de grimper, on va voir, hein, parce que là, pour l'instant, il grimpe. D'habitude, c'est au rideau, mais là, il grimpe dans les sondages. Non, sans vouloir vous fâcher, il est un petit peu, bon, bah, il va un peu vite, bon, mais... Mélenchon a l'esprit taquin, donc pendant que chacun à gauche essaie de lister les accords possibles, lui, il liste les désaccords. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas changé, hein, il n'a pas changé, il est resté le même. Alors là, il va dire évidemment, bah, regardez, j'ai raison de rester le même, regardez, bon, mais c'est vrai que... Mélenchon, sans vous énervez pas, hein, les gars. Mais c'est vrai que dès que tu dis rassemblement, Mélenchon, il fait ta gueule. Tu vois. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas atteint du syndrome Gilles de la Tourette du rassemblement. Tu vois. Tiens, Jean-Luc, on pourra peut-être se réunir. Salope, salope. Non, mais je veux dire, Jean-Luc, ensemble. Culé, culé. Alors, bon. Alors, bon, évidemment, d'ailleurs, de l'avis général, d'ailleurs, tous les 5 ans, hein, il fait une bonne campagne, très bonne campagne, organisée, c'est cohérent, pas de pétage de durite pour l'instant. Ça, alors là, c'est... voilà, bon, faut pas qu'il y ait de perquisition. Voilà. Et son truc, bon, c'est depuis le début, c'est l'union populaire. Bon, pour l'instant, sans le peuple et sans union, mais il y a un concept. Et alors, tout est prêt, il le dit, il est prêt, il a été le premier. Et ça, c'est vrai que là-dessus, voilà, il a mis en place un Parlement de l'Union populaire, un programme précis en 694 mesures, du prêt à gouverner, il est prêt. Tu lui dis, t'es prêt, fais, je suis prêt. Voilà. Sauf que, il y a juste un petit problème, c'est qu'il ne sera pas élu. Ne vous énervez pas. Bon, et là-dessus, c'est pas totalement de sa faute, quoique, quand même. Culé. Alors, c'est que, de toute façon, les réserves de voix à gauche tiennent dans un seau percé. Donc, et donc, maintenant, donc, voter Mélenchon est devenu le vote utile à gauche. Enfin, pas utile, parce qu'il n'est pas qu'on dise utile. Tu vois, quand tu fais, c'est le vote utile. Ah, ta gueule! Bon. Non, c'est le vote efficace. Bon. Voilà. Donc, le vote efficace utile. Donc, c'était donc voter Mélenchon pour éviter que Le Pen soit au deuxième tour. Donc, le vote utile à gauche, maintenant, c'est faire perdre les autres. Waouh, je pense qu'on va mal, moi. Alors, en gros, au résumé, moi, je résumerais Mélenchon à cette phrase. Quand on ne veut pas rassembler, on ne veut pas gouverner. Bon. Syndrome Jeux Olympiques. Maintenant, alors, au niveau de Anne Hidalgo. Non. Non, mais que j'aime beaucoup aussi, hein. Mais alors... Mais il y a des socialistes dans la salle. Non, mais il y en a. Il y en a combien? 1, 2, 3... Mais vous êtes tous là! Oh, mon Dieu! Alors, donc, concernant le Parti Socialiste, bon, je vous propose simplement une minute de silence. Les socialistes qui sont toujours surprenants, ça, tu vois, là, tu vois, on s'attendait à rien, on arrive quand même à être déçus. Tu vois. Le seul suspense consistant à savoir si Hidalgo fera mieux que Jean Lassalle. Non mais c'est triste. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Anne Hidalgo donc, continue de parler, vraiment jusqu'au dernier moment, comme si elle était à 23%. C'est un peu, vous savez, comme une canne qui continue de courir alors qu'on lui a coupé la tête.
Pourtant, elle avait bien démarré sa campagne. Elle voulait doubler le salaire des profs. Oui, mais arrêtez, mais c'est une connerie! Doubler le salaire des profs. Et branleur. Oh, écoutez, la France est en train d'aller à droite, je suis. Alors, qu'est-ce que... Au PS, maintenant, bon, ben, on pense déjà à l'après, parce que, bon, là... Voilà, et la phrase qui revient, c'est « Il faudra reconstruire la maison socialiste ». Le problème, c'est qu'ils vont la vendre. Alors, Hidalgo, bon, c'est normal, tout ça, elle vise clairement les JO 2024. Bon, alors, au niveau de... Alors, Yannick Jadot. Il y en a, voilà. Non, je fais même pas allumer, là, parce que là, c'est... Non, mais franchement, la planète est en danger. Il y a une urgence climatique et on nous envoie Yannick Jadot. Et là, tu fais « Merde !» Alors, Yannick Jadot, pourtant, bon, ça avait bien démarré. Il y a eu des primaires chez les écolos. Ça commençait bien. D'habitude, ils choisissent le ou la pire candidat. Là, tu fais « Oh, dis-nous !» Pragmatique, écologie de gouvernement, oh tiens. Alors il a battu Sandrine Rousseau d'un poil de cul. Hein. Mais comme disait ma grand-mère, c'est avec des poils de cul qu'on fait un bas les brosses. Alors le problème c'est que bon, c'était 50-50, elle, l'opposé, radical, écoféministe, qui va jouer pendant toute la campagne de Jadot le rôle du sparadrap du capitaine Haddock. Bah, si vous vous rappelez, il à chaque fois il essayait, il fait. Clac, oh. Clac. Hein? Voilà. Avant d'être viré. Donc, alors, Jadot discret, il se veut comme ça, sérieux. Voilà. Au début, d'ailleurs, il avait déclaré je ne veux pas participer aux polémiques. Du coup, il participait à rien. Et c'est con, c'est sûrement lui qui a raison, mais les médias adorent les polémiques, voilà, qui vendent au peuple entre deux pubs. Un candidat discret, sérieux, c'est mauvais pour Coca-Cola. Rappelez-vous Balladur, tu vois, je vous demande de vous arrêter, tu vois, alors que mangez les pommes. En politique, si tu tiens à l'égard du bruit, on t'entend moins. Décembre 21, donc Jadot, pour l'instant... Alors, on est en décembre 21, ça c'est les écolos typiques. Je cite, c'est eux, le porte-parole des écolos qui dit « Pour l'instant, les écologistes réfléchissent... » On est en décembre 21. « Les écologistes réfléchissent à comment faire campagne. » Et là, tu fais « Oh, non. » Non mais Jadot, quand même, la purge, là. Il fait des phrases tellement plates qu'on a l'impression d'être en descente. Non mais au début de la campagne qui n'avait pas démarré, souvenez-vous, Jadot faisait des meetings en plein air pour le bilan carbone. Mais on est en plein hiver! Il fait moins 2! Et tu vois, moi je fais des meetings en plein air, et ben vas-y tout seul! Et puis alors quand on commence une phrase par « La campagne que je veux mener, c'est à la fois dramatisée parce que la situation est dramatique », eh ben t'écoutes plus la suite. C'est bête, il a sûrement raison. Voilà. Sinon, c'est la faute des lobbies. De toute façon, à chaque fois, les écolos, c'est n'importe quoi, il se passe un truc, comme ça. Mais... C'est les lobbies. Voilà. Mais il n'y avait pas de monde au meeting. C'est les lobbies. Voilà, il pleut aujourd'hui. C'est les lobbies. Mais on garde quand même le moral chez les écolos. Porte-parole qui prononce cette phrase avant-hier. Avec cette campagne solide, on sédimente. Le syndrome Jeux Olympiques. Alors, il y en a un. Alors, par contre, c'est Roussel. Il y a des cocos dans la salle? Ouais, coucou! Alors, lui, c'est l'inverse. Oui, allumons la salle, allez-y. Ouais, les cocos, c'est où? Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Éteins. Voilà, Roussel, candidat des jours heureux, de la viande, du nucléaire, allez, c'est parti.
Lui, il se marre, il s'amuse. Il a déclaré, alors j'ai noté cette phrase, j'en étais jaloux. Ensemble, on perd, séparés, on perd, donc on a tout à gagner. Oh mon Dieu. Bon, là, il plafonne dans les sondages à 3%, mais content, heureux. Voilà, c'est normal parce que le PC, le syndrome Jeux Olympiques, bon, ils vivent avec depuis longtemps. Hein. Ils sont rodés. Ah la vache, il est déjà moins 10. Il est moins 10, là? Ouais. Oh là 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 là. Alors là, putain, j'ai pas fait la droite. Valérie, ah oui. Alors, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Alors la droite, bon, la droite, alors la droite. La droite, la droite. Ah là, oh, je prends 5 minutes quand même. La droite, bon, il y avait, alors, à chaque fois, eux, c'est les primaires. Vous vous rappelez, hop, Fillon, ils avaient un favori, c'était Juppé, 65% dans les sondages. Hop, ils ont pris un autre. Là, il y avait Xavier Bertrand, hein, qui, dans les sondages, était talonné Macron, des fois, il le dépassait. Ils en prennent une autre. Alors, elle est Pécresse, elle en a aligné des conneries. Le résumé de sa campagne, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Oh là là. Le meeting au Zénith. Et là, tu vois ça, tu dis, mais comment peut-on choisir une candidate qui ne sait pas parler sur scène? Alors, Pécresse, c'est le principe de la fusée qui décolle. Elle a démarré à 20 dans les sondages, 19, 18, 17, 16. Et là, on va voir. Alors, sinon... Alors, bon, comme si ça allait pas assez bien, elle a reçu le soutien de Fillon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, le 24 mars, elle chope le Covid. Allez! Voilà. Et pendant ce temps, Marine Le Pen caresse son chat. Elle monte, elle fait une campagne sympathique, sans bruit, sans fureur. 47% au deuxième tour, 48%. L'effet miaou. Poutine glisse sur elle comme un pet sur une toile cirée, grâce au paratonnerre Zemmour. Et là, le problème, c'est que... là, je vais arrêter parce qu'on va mettre la télé. C'est que... c'est con, j'avais plein de trucs super drôles. Non, mais j'en refais une dans 15 jours. Alors, c'est que le seul qui veut vraiment être président, mais qui en a vraiment une envie folle, malheureusement, c'est Macron. Mais le nouvel enchantement de 2017 est passé. Alors, à la veille du premier tour, les indécis sont très nombreux. À noter que ceux qui ne savent pas pour qui voter au deuxième tour peuvent faire appel à un cabinet conseil. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Marine Le Pen se prépare, elle révise pour le débat en caressant son chat. Elle s'économise, elle prend, je cite, du Guronzan. Alors attention au Guronzan. Maintenant, on va arrêter, on va mettre la télé en direct, il doit être 8h05. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez certainement des pronostics dans la salle. Je n'en ai absolument aucune idée. Maintenant, place au direct. 1000 voix il y a 5 ans au bord de la marche pour la toute qualité et pour le second tour. Ce soir, quel sera le verdict? Ça signe. Vous êtes avec les militants Jean-Luc Mélenchon. Plus beaucoup de temps à vous découvrir ce résultat ce soir. Non, plus beaucoup de temps et on s'en rend compte car ici la tension est extrême, les militants se rassurent en chantant leur fameuse chanson. En général, ça ne veut pas, nous on est là, ou encore l'international. Il y a du monde, c'est pas plein, ça fait la gueule. Ici la tension est à son comble. Elle rêve que cette fois cette élection l'emmène jusqu'au Palais d'Élysée. Marine Le Pen a probablement déjà quelques indicateurs sur sa performance de ce soir. Elle est en train d'écrire également son discours. Valérie Le Rouge est à son QG. Valérie, les militants sont là et les équipes de Marine Le Pen préparent donc cette intervention de ce soir qui est prévue vers quelle heure?
Oh, ça n'a pas l'air d'être la fête non plus, hein. En fait, juste à l'étage au-dessus, les caméras ne sont pas autorisées, mais j'ai pu y jeter un œil, ambiance. Ah, les caméras ne sont pas autorisées. Il faut qu'on s'habitue. Deux proches, le directeur cabinet, son directeur de campagne, sa sœur, Marie-Carine Le Pen, qui a été très présente dans l'ombre pendant toute cette campagne. Ils sont aussi, voilà, à affiner le discours en fonction des résultats qui tombent. Ouais, j'ai un pronostic. Et je pense que c'est le même score qu'il y a 5 ans. Peut donner. On sent qu'il y a quand même une certaine impatience à quelques minutes du résultat. On va apparaître votre choix dans ce hall ici. C'est l'épilogue de cette campagne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%. Devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les deux QG. Avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des résultats de la Oui, à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec un score de 1,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour est loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%. Enfin, l'écologiste, Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle, à 3,3%, il devance Fabien Roussel, le premier ministre. On coupe la télé, parce que sinon on va rester là tout le long. Bien, voilà, moi, ça s'arrête, vous pensez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, quelle surprise! Vraiment, on s'y attendait pas! Bon, la surprise, donc, Pécresse, peut-être, donc, ce sera pas remboursé, donc... Voilà, sinon, bon, bah, le reste, le Macron fait quand même péter un score, là, hein. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'enterrement. Merci à vous d'être venus ce soir. Et à bientôt! Ciao! We'll be right back.